Yo les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Gaming Sud. Les potos, on se retrouve pour une petite astuce. Comment avoir le pantalon de tronc avec les chaussures? Et aussi le casque. Petite astuce qui va coûter quand même 100 000 dollars les potos. Donc les potos, si vous voulez récupérer le pantalon de tronc avec les chaussures, il va falloir déjà que vous ayez la tenue débloquée dans le magasin ou que vous l'ayez déjà achetée. Si vous ne l'avez pas débloquée encore, que vous voulez débloquer la tenue de Tron, il va falloir aller en mode rivalité et lancer la mission retour à la ligne. Une fois que vous aurez fini cette mission, vous aurez débloqué les tenues de Tron. Vous achetez une tenue de Tron, la couleur que vous voulez, une couleur qui vous plaît. Moi, c'est un personnage féminin, je vais lui mettre une tenue de Tron rose. Ce qui est plutôt rare. Donc, j'ai choisi ma tenue. Là, je vais faire rond. Pavé tactile. Je vais aller dans style. Style. Modifier l'apparence. Je confirme modifier l'apparence. Là, j'apparais dans le kiosque. Une fois dans le kiosque, je vais aller sur vêtements. On a un petit menu qui s'ouvre à gauche. Je descends dans Vêtements, je clique dans Vêtements. Puis je vais dans T-shirt de crew. Il faut obligatoirement faire partie d'un crew, les potos, pour avoir cet onglet. Une fois sur T-shirt de crew, on choisit le T-shirt que l'on veut avec le pantalon. Car par la suite, les potos, on ne pourra plus changer le haut. Donc on choisit bien la couleur. Par contre, on pourra rajouter un accessoire, des gants, on pourra les rajouter les gants. Donc moi, je vais prendre le t-shirt noir. Celui-là, une fois qu'on a choisi le t-shirt, on va faire rond, on va sauvegarder. Sauvegarde et on confirme. Et on apparaîtra en session avec la tenue. Une fois en session, on va sauvegarder la tenue. Les poteaux, on ne pourra pas changer le haut. On pourra lui rajouter des accessoires comme une paire de gants. Mais par contre, si on change le haut, la tenue s'enlèvera. Regardez, je mets une écharpe, je perds la tenue. Donc là, je vais garder la tenue comme ça, je vais la sauvegarder. Les poteaux, le fait qu'on a déjà payé 100 000 dollars pour modifier l'apparence, on va pouvoir y retourner une deuxième fois gratuitement. Donc, si vous avez une deuxième tenue de tronc, dans votre armoire, vous mettez cette deuxième tenue de tronc. Moi, j'en ai une deuxième, une jaune. Je vais la mettre et je vais pouvoir faire une deuxième tenue gratuitement, celle-là. Donc, pour cela, je mets la deuxième tenue de tronc, puis je fais touche pause en ligne. Je vais aller sur l'éditeur. Une fois sur l'éditeur, je fais touche pause, en ligne, joue à GTA, session sur invitation. Session sur invitation. Et là, le fait d'aller en session sur invitation, je vais avoir un message qui va me proposer de modifier mon apparence gratuitement, les potos. Ok? Donc, je confirme. Et là, les poteaux, on fait les mêmes manipulations. On va dans vêtements, une fois dans vêtements, on va sur t-shirt de crew et on choisit son t-shirt. Une fois qu'on a choisi le t-shirt, on fait rond, on clique sur sauvegarder, on confirme et ça nous envoie en session avec la nouvelle tenue. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!